Et salut tout le monde, c'est MacLeon85 aujourd'hui, donc on se retrouve sur le Let's Play Pokémon version platine. Donc voilà, donc on est reparti. Mince, là, dans le menu. Hop là. Donc on se retrouve aujourd'hui donc sur le jeu Pokémon que j'ai commencé la dernière fois. Ah, c'est bon. Alors, donc. Donc la dernière fois on s'était arrêté. On s'est arrêté à un endroit où voilà, je me suis totalement trompé. Donc on va être là normalement, si j'ai bon souvenir, je dois aller à Littorella. La deuxième ville, parfait, mon petit Pokémon. J'ai commencé à puxer mon Pokémon. Voilà, et voilà, donc en parlant de d'XP de Pokémon, je pense que je les XP'erai de temps en temps, soit en ellipse, soit en off, parce que ça sera beaucoup trop long à tout vous montrer, surtout quand je serai beaucoup plus... Encore mes Pokémon sont beaucoup plus HL au level. Donc voilà, et aussi je vous annonce que en fait je vais peut-être reprendre la série Minecraft. Donc cette fois-ci sur Launcher Lifecraft. Parce que voilà, j'ai vu un très gros problème comme je l'ai dit dans la première vidéo. Donc voilà, j'espère que ça marchera bien. En tous les cas, voilà, j'ai déjà commencé à un peu essayer de reprendre le truc. Il faut juste que je m'en fasse une petite bâtisse. Avant de recommencer. Puis voilà, c'est tout. Voilà. J'ai monté jusqu'au niveau... On va voir. Je monte niveau 7 déjà et on va voir niveau 8 si ça montre un peu. Putain, j'ai pas du mal. En tous les cas, voilà. Si vous commencez juste comme moi, je vous conseille toujours de faire comme ça au départ. Essayez tout le temps d'XP vos Pokémon assez vite parce qu'en fait au fur et à mesure du jeu il y aura les ressources sont de plus en plus compliquées, plus difficiles. Surtout en plus la version platine. Si vous avez eu la version perm et que vous avez pas, vous voulez essayer de la version platine, vous allez comprendre que il y a une grosse différence de niveau. Je crois que ça va être compliqué le niveau suivant. Sur bas niveau ici, c'est pas parfait. Ouais, et voilà, donc je pense qu'on fait jamais l'écran tactile en fait, hein, enfin la partie écran tactile. Parce que dans Pokémon, il n'y a rien d'intéressant. Et en même temps, ça vous laisse un peu de suspense pour savoir quelle attaque que je vais lancer. Puis en plus voilà, et en plus ça me donne beaucoup plus de temps à faire, je connais même pas le moyen de le faire. Voilà, enfin. Je connais pas le moyen pour filmer l'écran du haut et l'écran du bas parce que je sais qu'il y a des bugs. De temps en temps. Je sais qu'il existe Hypercam, mais bon. Après je sais pas, je verrai. Je demande niveau 8. Hein. Donc Etourmi sera sûrement mon premier Pokémon parce qu'Etourmi est un. De type vol, mais ça sera beaucoup plus simple. Pardon, ça sera beaucoup plus simple pour. Mais pour moi, voilà quoi. Enfin, j'aurai un Pokémon qui apprend de vol. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nouvelles attaques. Tout se passe vraiment sur l'écran du haut, l'XP, le niveau du Pokémon. Ah, celui-là je me sens qu'il a une potion. Voilà, et aussi pour vous dire, je ferai peut-être aussi, voilà, donc j'ai commencé cette spell là, quand j'aurai fini, je pense que je partirai sur Pokémon Heart Gold. Or Heart Gold parce que je l'avais, voilà, j'avais déjà ce jeu là aussi. Puis ouais, je l'avais bien aimé parce que vraiment c'est un jeu, mais il dure beaucoup. Enfin, c'est le jeu Pokémon vraiment que j'ai trouvé le plus long. Hein. Parce qu'en fait, il y a Kanto en plus. Bon, c'est pas le même scénario du tout, mais voilà quoi. Il y a Kanto, c'est vrai qu'il y a un monde en plus à visiter. Voilà, donc ça augmente vraiment le temps de jeu, enfin votre temps de jeu, donc vous amusez beaucoup plus.
vraiment si voilà si vous vraiment que j'hésite à acheter un jeu. J'ai pas encore essayé le dernier Pokémon XY. Il a l'air d'être bien parce que vu les graphismes, mais le problème c'est que c'est sur 3DS. Donc si vous avez une DS, privilégiez or et gold. Vraiment ou argent sol silver. C'est la même chose sauf que c'est le Pokémon légendaire qui change. Désolé pour les bugs de graphisme. Hein. Si, enfin, je sais pas. Voilà. Voilà. Putain, j'oublie son nom à chaque fois. Aurore, voilà. C'est un fou ce mec. J'étais à 15 minutes si j'ai bon souvenir. Cette sauvegarde va me permettre de savoir combien de temps de jeu. Après là je sauvegarde. Hein. Je fais vraiment des sauvegardes super souvent parce que vraiment voilà. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, enfin avec ma DS que la DS n'a plus de batterie. D'ailleurs c'était à la Ligue Pokémon donc ça m'avait fait. Oh les boules, les boules, les boules. Vraiment toujours avoir un fil de recharge avec vous hein, si vous avez peur que ça décharge. Mince, je vais pas être sur mon. J'ai pas eu de start. Pokédex, l'outil de tout dresseur Pokémon. Qui commence une aventure. Voilà. De toute façon, j'ai obligé de répondre oui. Hein. Faut toujours essayer de mettre non, non, non. Ça, il vous renverra tout le temps. Hein. Pour ça tout le temps la question, impossible de faire lâcher. C'est obligé. J'ai même pas fait exprès, je voulais essayer de suivre comme dans la série. C'était pas voulu. Wow, pardon, qu'est-ce qu'il y a? C'était retour si j'ai mon souvenir. La capacité retour, c'est ce que je me dis. Ah, j'ai vraiment mon souvenir. C'est ça que j'étais un gros fou. J'ai changé, je suis plus 3 ça. Enfin, je reprends pour YouTube maintenant. Voilà, la présentation des le centre Pokémon. Ah, les premiers épisodes vont être assez longs. Hein, enfin, assez longs. Ça va être toujours la même chose, présentation des personnages, des Pokémon, des bâtiments. Même si on les connaît, on essaie de faire. Malheureusement. D'ailleurs, je vais tout de suite acheter des Pokéball. Voilà. Bon ben, faut rentrer à la maison. Ah oui. En rentrant dans le centre Pokémon, j'ai juste
de me rappeler quelque chose. C'est que en plus ce qui est intéressant dans le centre Pokémon en fait, donc je sais pas si vous voyez le personnage à gauche, je vais vous montrer avec ma souris là. Celui-là, celui que j'entoure. Et ben donc là c'est pas un dresseur, mais à partir de la deuxième ville, donc de la deuxième arène, il y a un gars. Et les gars quand on leur parle ils nous demandent si on veut les combattre. Et ça c'est vraiment cool ça. Puis en plus ils suivent à peu près le niveau de vos Pokémon si j'ai bon souvenir. Je peux pas vous mentir. Ouais, donc le PC, pour ceux qui connaissent pas, en bas c'est pour la connexion internet, pour échanger des Pokémon ou faire des combats, enfin en wifi quoi. Et ici bah, c'est en local. Voilà, allez. Désolé pour les petits bugs, hein, c'est l'émulateur. Attendez, deux secondes. Je fais un truc, je réduis la taille de mon écran. Oups là. Re tout le monde. Enfin ouais, je sais pas, je dis ça parce que j'ai eu quelques bugs avec Fraps. La mère Tenzo. Voilà. Ah oui. Le colis avec un intérieur. Je dirais pas. Pour ceux qui connaissent, enfin, ils savent ce qu'il y a dedans. Moi aussi, je m'en souviens. Quelque chose de très important. Allez, on est parti. Alors, désolé, hein, pour un personnage, j'ai éclaté mon Xbox. Et voilà quoi, je suis qu'un joystick. Contrairement au stick. Pas d'en croire. Je sais plus comment ça s'appelle déjà. Et voilà, c'est beaucoup plus compliqué parce que dès que je tourne un tout petit peu sur la droite, et ben mon personnage se met à tourner à droite. Enfin bon, ça c'est beaucoup plus tactile. Je continue un petit peu à XP. Autant prendre de l'avance. En plus, il faudrait qu'il essaie d'apprendre le plus rapidement possible une attaque super plante pour la première. Oula, j'ai un petit peu le. Ok, désolé. Pour la première arène. Pokémon, hein. La simplicité. Oui, j'ai souvent couru. Hein. Enfin, je courrai beaucoup dehors parce qu'en fait, après, je vais perdre beaucoup de temps dans les grottes parce que voilà. Ah, ça me souvient déjà. Donc les Pokéballs. Je peux en prendre 17, je vais en prendre 10. $, ça se fait très rapidement, hein. L'argent c'est pas ce qui manque. Enfin, oh, y a ces deux... Ah mince, j'aurais dû prendre par paquet de 10.
On a dû prendre deux fois 10 parce que ça me donne 2 honor balls. C'est cool, c'est vraiment que j'essaie d'attendre, je vérifie. Ah, j'en ai qu'une seule. Ah, bah non. Oh là, j'ai cru que j'en avais pris un, désolé. Là, on va rentrer dans les hautes herbes. Il y a Aura, et c'est pas vrai. Voilà. À montrer comment attraper un Pokémon. C'est ça que c'est la base hein, du jeu. J'aurais pas fait un petit plus mais oh, attendez 2 secondes, j'ai un truc qui se fait faire un coup de maze. Ouais, ça va un peu bugger. T'as la fin Pokéball quoi. Bah oui, c'est facile d'attraper un Pokémon. Alors attendez 2 secondes. Punaise, ça marche pas. Voilà. J'aime bien cette petite musique. Hop là, une petite sauvegarde avec une petite hélice parce que j'ai un petit problème. Alors, je sauvegarde la partie, j'écrase. Hop là, on se retrouve après. Et re tout le monde. Donc voilà, c'est bon. J'avais une page qui s'est affichée au-dessus et puis je pouvais plus rien faire. Donc, alors, normalement, elle m'a passé 5 Pokéballs. Voilà, comme je l'avais dit. Et donc, j'ai commencé par attraper mes 2 premiers Pokémon. C'est-à-dire, alors, je sais qu'il y a un, il y a des Lixie et des Étourmis. Hop là, Lixie niveau 4. Par contre, je vais essayer de... Enfin, en fait, pour moi, j'imagine leur dernière évolution, en fait, et j'essaye de suivre leur sexe. Voilà, je sais pas pourquoi. Un Lixie femelle, ça fait bizarre. Enfin, première évolution, ça fait pas bizarre. Parce que, voilà. Mais par contre, dernière évolution, voilà, là, ça fera bizarre femelle. Donc je fais un mal en fait. Ce sera la même chose pour les tourmis. Ouais, donc voilà, j'essaie vraiment de, à dire, de suivre par rapport au par rapport au dessin du Pokémon. Et aussi un étourmi. Je commence. Je sais pas si je vais vous montrer comment j'explique. Je prends pas de connecteur. J'aime pas ça, il y a que 2 évolutions en plus. Hein. Non. J'aime pas. Hop, hop, niveau 9. Je crois qu'il y a la première attaque là. Volvi, parfait. Première attaque de type plante. Ah, d'ailleurs ça va être parfait pour régénérer ma vie ça. Je pense que normalement c'est pas très puissant contre un Pokémon de type normal. Enfin c'est une puissance de type normal mais bon. J'attrape, je suis encore, je tourne deux hautes herbes et ensuite je vous laisserai parce que ouais, ça va bientôt faire 20, ça fait 20 minutes, hein, non 10 minutes, non 10 minutes, ben non, en fait donc je continue, je vais vite 20 minutes. Donc là. C'est pas puissant.
Ah, en plus niveau 4, c'est parfait. Alors, le jeu d'intimidation. Ah ouais. J'ai envie de cœur aussi. Ok, donc, sortie pousse là avec ses petites cartes. Allez, je tente le narwhal, c'est parti. Alors, sac. Balls. Ouais, narwhal. On utilise. Yes. Agility de narwhal, parfait. Petit pas, je l'ai pas utilisé pour rien. C'est la classe. En plus, c'est classe quand il sort avec le narwhal. C'est parfait. Alors, ce muscle génère un courant électrique lorsqu'il travaille et s'illumine en cas de danger. Non, pas non. C'est bon. Alors, ensuite, on reprend. Ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que votre vitesse assez puissant sur Nixie, donc on va en profiter. Ah, j'aurais pu prendre Nixie, tiens. Il commence à expirer, je le prendrai après. Par contre, il va vite mourir. Enfin. Hop là, Pokémon, parfait, c'est les grandioses, c'est ce que je voulais en plus. Ah mince, eh ben non, je l'utiliserai pas. Allez, dernier. Ah oh, putain, j'avais vu. Il sera pas puissant contre un nouvel. Pardon pour lui. Royal Revolt. Oui, je joue Royal Revolt. Qui cherche Royal Revolt 2. Pas de possible. Ça va commencer à être une. Oh, ça mixe pas encore un petit peu. J'ai soigné mon ici. Je vais me trouver un tournier. Non, vas-y. J'ai sûr que ça. Okay. Il y a beaucoup ouais, qui commencent tout de suite et puis qui foncent tout de suite dans le tas. Ils et s'expliquent qu'avec les dresseurs et les monstres qui apparaissent. Et voilà quoi, c'est. Côté, faut prendre son temps, puis en plus, voilà quoi, il faut toujours les XP, les XP. Ah, pas tout le temps quand même, il faut un petit peu suivre l'histoire. Parce que voilà quoi, après, les méchants nous aident beaucoup, parce que là, les méchants ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Ça veut dire oui mais on va cesser sur cette sauvegarde.
voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 de ce Let's Play. Qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on ira féliciter. Normalement, entre-temps... ouais, j'attraperai les tourmis en question. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout, normalement. Et voilà, ça, puis je vais les XP un peu. Ils sont tous niveau 8 minimum. Voilà. Bon, allez, salut tout le monde, à la prochaine.